il faut dire, est magnifique. Franchement, c'est un très bel homme. On dirait Ken, d'ailleurs. On te l'a jamais dit, Folien ? Non, c'est toi la première. Ah, ben voilà. C'est le Wake Up Show. Et ça tombe bien parce que justement, Chalimar nous disait qu'elle était un petit peu bloquée du doigt. Donc tu pouvais faire quelque chose. Non, mais alors j'ai vraiment quelque chose parce que tu fais une blague. Tant pis, moi j'ai une tendinite. Non, c'est une tendinite boursite. Ah, non, mais boursite. C'est du sérieux, ouais. Ah oui, c'est du sérieux, ouais. Donc, peut-être que tu vas pouvoir me donner quelques conseils. On fera ça hors antenne, évidemment. Non, non. Qu'est-ce que tu conseillerais là en direct, ouais, Folien? Tendinite boursite à mon tendon droit, le tendon du pied. Et, il faut passer au cabinet. Non, mais bon, c'est du côté de Liège. S'il te plaît, Chalimar. Oui. Si vous ne savez pas qui est Folien ou si vous vous souvenez pas, c'est le candidat belge l'année dernière qui a été très loin, qui a été jusqu'à la réunification. Et si vous ne voyez pas qui c'est, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Ça vaut la peine quand même. Hein, Chalimar, ça vaut la peine d'aller voir sur les... Oui, Folien est magnifique. Franchement, c'est un très bel homme. On dirait Ken, d'ailleurs. On te l'a jamais dit, Folien ? Non, c'est toi la première. Ah, voilà. Bon. Merci en tout cas, Folien, d'avoir passé cette matinée avec nous dans le Wake Up Show. Et puis, si vous avez des problèmes de dos ou des tendinites comme moi, vous pouvez toujours aller prendre rendez-vous chez Folien, qui a donc son espace médical qui se trouve à Liège, avenue Rogier. Numéro 28. Voilà. Et Chalimar a déjà pris. Tu y vas quand, Chalimar? Écoute, je suis en train de prendre rendez-vous. On va voir ça juste après, hein, Folien. On va trouver un petit trou, il n'y a pas de souci. Ouais. On vous fait confiance. Il parlait du programme, hein. Oui, on avait compris. Du calendrier, quoi. Bah, bien sûr. Ah, bien non, sûr. Mais Chalimar, là, elle est partie direct. C'est le Wake Up Show.